Bien, dans cet épisode, on va voir ensemble SSI versus régime général. En d'autres mots, SARL versus SAS. Allez, générique. Salut les futurs rentiers, c'est Ben de RevenuPassif.fr pour vous aider avec votre fiscalité. Avec nous, vous trouverez les meilleurs conseils et astuces. Alors, si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à consulter les informations dans la description. Ce que vous allez apprendre aujourd'hui dans cet épisode est absolument nécessaire dans votre parcours d'investisseur. Si vous restez avec moi jusqu'au bout, vous aurez accès à un énorme cadeau bonus gratuit rien que pour vous. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Alors, dans cet épisode, on va voir ensemble la sécurité sociale pour les indépendants, SSI, contre le régime général. Alors, qu'est-ce que la sécurité sociale pour les indépendants? Eh bien, tout simplement, c'est ce qu'on appelait précédemment le RSI. Voilà. Précédemment, le RSI avait assez mauvaise presse, donc ils ont finalement renommé le RSI par SSI, Sécurité Sociale pour les Indépendants. Cependant, tout ce qui est derrière est resté identique. Alors, pour la petite histoire, le SSI est un nom provisoire d'une durée environ 2 ans annoncée par l'État, de façon à pouvoir attendre une fusion justement du RSI et du régime général. En attendant, le SSI est toujours d'actualité, donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bien, donc nous sommes face à deux régimes. Le régime Sécurité Sociale des Indépendants, dit TNS, Travailleurs Non Salariés, face à Régime Général, ou autrement appelé Assimilé Salarié. Creusons un petit peu le sujet. Pour qui ça s'applique? Pour tous les auto-entrepreneurs, EI, EIRL, EURL, c'est-à-dire seuls, eh bien, toutes ces personnes-là, toutes ces entreprises-là seront donc au SSI, c'est-à-dire TNS. Tandis que dans le cas de la SARL et de la SNC, cela va dépendre. Cela va dépendre de si vous êtes gérant majoritaire ou non majoritaire globalement. Qu'est-ce que gérant majoritaire? Eh bien, simplement, ça veut dire que vous êtes associé avec plus de 50% des parts et que vous exercez la fonction de gérant. Eh bien, dans ce cas-là, vous serez également TNS, c'est-à-dire au SSI. Tandis que si vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire, c'est-à-dire que si vous êtes gérant et que vous avez 50% des parts et que l'autre personne a également 50% des parts, vous ne serez pas au SSI, mais vous serez au régime général. Ceci s'applique également pour le gérant non associé. Concernant le cas de la SAS et de la SASU, si le dirigeant est rémunéré, alors il sera affilié au régime général, c'est-à-dire assimilé salarié, tandis que s'il ne perçoit pas de rémunération, il ne sera rien du tout. Une petite nuance, en SAS, si vous percevez des dividendes, vous n'êtes pas considéré comme percevant une rémunération, d'accord? Donc vous resterez dans ce cadre du rien du tout, c'est-à-dire que vous ne payerez pas de cotisation sociale et en même temps vous n'aurez pas de couverture sociale associée. En revanche, quand vous êtes en TNS, c'est-à-dire au SSI, eh bien les dividendes sont considérés comme une rémunération. C'est une petite nuance qui existe entre ces deux régimes. Bien, quelle est la différence donc entre le régime SSI et le régime général? Globalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au régime SSI, les cotisations sociales seront bien moins élevées sur les salaires qu'au régime général. Alors que pour les dividendes, c'est l'inverse. Au régime général, vous ne payerez pas de cotisations sociales, alors qu'au SSI, vous payerez des cotisations sociales sur les dividendes. Donc en conclusion sur ces deux points-là, si vous voulez sortir des salaires, il vaut mieux être au SSI. Alors que si vous voulez sortir des dividendes, il vaut mieux être au régime général. En effet, au régime général, la cotisation sociale sur les salaires est de l'ordre de 80% du salaire net. Alors qu'au SSI, les cotisations sociales sur le salaire net sont d'environ 45%. Donc vous voyez bien qu'il y a une grande différence. Mais en même temps, on parle de cotisations sociales, oui, puisqu'elles comprennent également tout ce qui est maladie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous êtes au régime général, votre couverture sociale, votre couverture maladie sera plus importante que lorsque vous êtes au SSI. Et concernant les dividendes, nous l'avons vu juste avant,
Au régime général, il n'y aura pas de cotisation sur les dividendes, alors qu'au SSI, il y aura une cotisation sociale sur les dividendes pour la partie des dividendes supérieure aux 10% du capital social. Autre différence qui va exister entre ces deux régimes, c'est qu'au régime général, si vous ne percevez pas de salaire, c'est-à-dire que vous recevez zéro de salaire, eh bien vous n'aurez pas de cotisation à payer. D'accord ? Donc il s'agit bien de cotisation linéaire à votre revenu. Donc je le répète, au régime général, pas de salaire, pas de cotisation. Alors qu'au SSI, il existe un minimum à payer. C'est-à-dire que si vous percevez 0 euros de salaire, eh bien vous aurez quand même à payer des cotisations. Alors pour l'exemple, il s'agira d'une cotisation d'environ 1000 euros pour l'année, si vous ne rentrez pas de salaire. Donc 1000 euros, ce n'est pas énorme, mais quand vous allez lancer votre entreprise, cela peut effectivement peser lourd dans la balance sur la première année. Alors attention au terme employé, les cotisations sociales sont différentes des prélèvements sociaux. Vous allez notamment rencontrer ce cas-là sur les dividendes, notamment si vous vous concentrez sur comment sortir les dividendes de votre société. Vous allez vous rendre compte qu'il y a deux options, et une option sur via le PFU, le prélèvement forfaitaire unique. Et à ce moment-là, vous verrez que 17,2% de prélèvements sociaux sont appliqués. Eh bien, ces prélèvements sociaux sont différents des cotisations sociales. Un point important à faire encore très attention, c'est concernant le Pôle emploi. Pour percevoir les indemnités de Pôle emploi, il ne faut pas que vous ayez de rémunération. Sinon, les indemnités de Pôle emploi que vous percevrez diminueront en fonction du salaire versé par votre entreprise. Donc si vous êtes dans le cas où vous voulez percevoir les indemnités Pôle emploi et créer une entreprise, je vous invite à consulter plus d'informations sur le sujet avant la création. Comme promis, voici votre cadeau. Si vous voulez optimiser votre fiscalité pour ne plus payer d'impôts, j'ai le plaisir de vous offrir une formation 100% gratuite, facile à suivre, pas à pas. Dans cette formation, nous allons voir ensemble les revenus fonciers, le statut de loueur meublé non professionnel, la SCI à l'IS, les erreurs à ne pas faire et surtout comment ne plus payer d'impôts. Pour cela, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Si vous avez des questions concernant le SSI contre le régime général, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et si cet épisode vous a apporté quelque chose, mettez-moi un like et partagez-le avec quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Je vous rappelle que pour recevoir votre formation 100% gratuite, c'est très simple, il vous suffit de cliquer dans la description. Merci beaucoup d'être resté avec moi et je vous dis à plus dans un prochain épisode. Ciao, ciao !